Jeudi à vendredi 12 janvier 2018, bonjour tout le monde, nous comptons rentrer la carbone capable pour vous. Dernière sortie de téléjournal pour semaine, si là, mais entre temps, quittez-moi, salut Ruben, comment quoi Ruben? Bonjour, continuez à plaisir pour capable ensemble, ou bien en forme matin, et bon côté pour vous. Divinement bien, merci. C'est bien. Bonjour, amis téléspectateurs en Haïti, bonjour, bonsoir, le monde qui a regardé nous comptons ensemble avec vous pour capable présenter toute information. Nous souhaitons passer un très bon vendredi. Sous des visions d'Haïti, Ricardine, bon vendredi à vous-même. Merci Ruben et bon vendredi également à vous-même et bon vendredi avec tous les téléspectateurs et téléspectatrices et télévision nationale d'Haïti. Mais entre-temps, qui était le barreau principal pour nous développer maintenant un journal là pour nous. Faut qu'on a président commission spéciale CAP Travail sur amendement constitution, député Thierry Tardieu, annoncé 29 mars 2018 CAP Vinila. Commission a gain pour présenter rapport final li sous ensemble proposition dans la loi pays. Directeur général Radio Télévision Nationale d'Haïti a quitté gain avec le directeur général ministère communication en visité jeudi 11 janvier à local Radio Nationale dans rue Magasin de l'État pour être capable de constater état avancement travail réparation. Toutefois pendant été 2018 là responsable fait qu'on est dû remettre radio à local. L'autre information n'a bien pour nous capable porter dans journal là 12 janvier que décrété journée réflexion dans sens ça tout drapeau dans pays à demi-mam et jeudi dans le cadre commémoration 8 l'année depuis tremblement de terre ça a frappé pays d'Haïti président république là a lancé reconstruction palais national jeudi. Et puis à l'étranger, président américain Donald Trump a prononcé vieille parole raciste contre pays d'Haïti et pays africains d'après New York Times. Parole ça a créé gros réaction au niveau Congrès américain et communauté internationale là. Voilà, c'est ensemble pour savoir qu'un pilote qui a bien pour faire essentiel le journal là pour jeudi vendredi à l'envers Victorité. Bon chez nous tout n'a pas tourné dans un cadet tant qu'il va les placer. Merci parce que toujours été branché chez nous. On a démarré avec information. Une fois qu'on a un président de la République, Jovenel Moïse, a fait une visite mercredi 10 janvier passé à le stade Silvio 14, côté chrétien protestant, et rassemblé dans une croisade évangélique sous direction de l'église Tabernacle de Gloire qui est basée dans Miami. Pasteur Grégory Toussaint a dirigé. Dans l'intervention, le chef de l'État a expliqué qu'il y a plusieurs travaux qui réalisé dans 11 mois sous pouvoir. Nous avons invité à suivre un extrait de Miko Sabine Jean-Étienne avec Jean-Naël Duvernay. Dans ce sens-là, nous avons fait un bon Dieu à nous message. Pour nous dire que, côté lié aujourd'hui, nous sommes isolés en pile. Nous sommes tous les gens qui ont vu pour contre moi. Parce que son métier est difficile. Ça m'a fait aujourd'hui, j'avais du président au pays. Ce n'est pas facile, même. Il y a des grosses décisions qui viennent pour moi, parfois, ou pour contrôler mon décision. Mon seul monde d'avoir bon Dieu. C'est ça que fait. L'homme prend une décision. Je ne vais pas prendre aux gens pour prier. Je ne vais pas prendre aux gens pour parler. Et lui-même, il va répondre. Et il prend une décision. Depuis 11 mois, il y a des grosses décisions qu'on prend. Il y a des décisions qui viennent pour moi encore dans le pays. Mais j'en disais, je vais regarder les matins. Je voulais que le monde s'assoie. Est-ce que si moi, je vais regarder pour 24 sur 24 dans le pays, ça, c'est l'aide de Dieu. Mais ma faire parce que bon Dieu a vraiment, bon Dieu voulait changement dans le pays. Est-ce que si moi-même, je vais faire cafou, goutte cafou, j'en fais sa colère, qui va faire depuis le pays à découvrir, ma belle parce que bon Dieu a avec nous. En pile pour bagaille, nous avons dit que m'a parlé, que nous avons fait dans le pays, c'est avec l'aide de Dieu. Et je connais que Haïtiens, peuple ça, son peuple qui fier, son peuple qui croit dans le progrès, son peuple qui croit dans la dignité, et peuple bon Dieu qui est venu là. Parce que Von dit ça, que peuple bon Dieu a une nationalité, peuple bon Dieu est sur toute la terre, peuple bon Dieu est tout partout. Même en Haïti, nous-mêmes, nous représentons partie dans peuple bon Dieu. Je dis nous à soi, pays ça, que nous chaque qui l'a nous aimons,
que nous chaque qui là nous pas jamais remettre mais mauvaise décision parfois fait nous courir m'a dit nous pour voir que bon Dieu va me rien parce que le pouvoir vient de Dieu même là ce peuple là bon pour moi c'est bon Dieu quand même. Et la voix du peuple c'est la voix de Dieu. Et dit le peuple a parlé, c'est bon Dieu parler. C'est pour ça que je dis pendant moi-même, moi sous pouvoir en Haïti, moi là pour tout le monde nous débattre pour voir pour moi faire avec Dieu nous faisons. Même Jean-Magistrat Port-au-Prince qui là, ensemble avec nous, j'ai une chance semaine dernière pour qu'on rencontre moi-même ensemble avec lui. Mais j'ai une chance ville, magistrat Charles sous dos. Mais peut-être qu'il y a des décisions là pour nous prendre ensemble. C'est moi avant seul dans la réunion. Parce que le peuple a le pouvoir pour diriger. Comme une bonne prince, moi-même, je vais pouvoir pour diriger le pays. Pour nous mettre nous ensemble. Nous n'avons pas besoin qu'on ait qui parti, on a besoin qui parti politique, on a besoin. Je dis à parti politique là, il est Haïti. C'est parti politique ça. C'est lui-même nous gagnons pour nous toutes marcher derrière. Pour reconstruire notre pays. Pour faire suspendre. Pour faire mon explication dans le pays. Et notre travail. Je prends une décision à ça. À partir de janvier. Pour me travailler avec toute mairie dans le pays. Même Jacques Mairie Port-au-Prince. Pour que le service voie mairie soit fonctionnel. Pour que Fatra suspende par mairie au défi dans le pays. C'est Walmart. Walmart comme président, je dis. Je dis nous, le lien là, il n'y a pas de l'heure pour nous attaquer dans la caille. Nous connaissons à 8 heures chaque jour. Nous ne pas qu'un de nous trois, mais pas oublier. Route la preuve, c'est route lumière, c'est route espoir. Route côté nous décider pour nous servir mon Dieu, route côté nous décider pour nous yonner l'autre, c'est route ça. Si c'est libre, tout pays a de prendre 11 500 000 haïtiens, pas d'abri de monde qui a tué le monde dans la vie, pas d'abri de monde qui a laïe le monde, pas d'abri de monde qui a fait mentir sur le monde, c'est pour ça. Par voix, pas moi, je dis, l'autre monde qui a tendu dans le pays, qui a gardé là, nous avons un pile haïtien qui a fait une pandémie. Fais même chemin avec mon Dieu devant nous là. Nous prenons les au niveau du Parlement haïtien, sous bicentenaire Port-au-Prince. Nouveau président, Chambre député, Gary Baudot, promettant libre le travail pour voir une plus bonne image sous fonctionnement Chambre Basla. Député Delma dit li annoncé li pral passer main dans règlement interne institution wan, et puis rendre site internet chambre député à public yon façon pour tout monde gain accès à information qui disponible. Li mande collaboration tout collègue li yo pour faciliter yon pi bon compréhension yon envers l'autre. Annonce extrait. Dans le sillage de mon parcours en tant que président de la Chambre des députés, poste que j'ai occupé à deux reprises, nous avons accompli ensemble des choses extraordinaires, aussi bien pour la Chambre des députés que pour la nation haïtienne. Point n'a besoin d'énumérer les nombreuses initiatives entreprises par la dite Chambre qui en découlent de nos prérogatives consacrées par la Constitution en vigueur. Je ne serai m'octroyer l'ensemble des exploits réalisés par la Chambre des députés, sans vanter le dynamisme et l'engouement de chaque député de la 50e législature. Aujourd'hui, du haut de cette tribune, je renouvelle mes plus vives félicitations car vous avez consenti à faire d'énormes sacrifices pour maintenir le flambeau de la Chambre des députés. Qu'il me soit permis d'utiliser ce micro en cette ultime occasion qui m'est accordée de remercier les autres membres du bureau qui m'ont accompagné dans la tâche tant dans mon premier mandat que dans le deuxième. Vos travaux ont été indéfectibles
dans le fonctionnement du bureau et dans l'exploit de l'Assemblée au cours de la législative écoulée. Je conçois que la tâche n'a été nullement facile, mais vous y êtes resté attaché en vertu des engagements pris au nom de la Constitution et au nom du règlement intérieur de la Chambre des députés. Toute belle histoire a une fin. Et toute fin annonce le début d'une autre histoire. La vie est ainsi faite et on ne saurait aller à contre-courant. Et ainsi, mon parcours en tant que président de la Chambre des députés prend fin aujourd'hui. Je pars avec le sentiment du devoir accompli et du travail fait. J'y ai quitté avec honneur et détermination mes 2 années de présidence du bureau. Et sur cette lancée, je continuerai à œuvrer en tant que député et membre de ce corps en vue de contribuer à l'accomplissement des missions de la Chambre des députés. Moi, souhaitez, nouveau bureau parlementaire, bon travail, à tant pile succès pendant l'année qui va venir. Moi, espérez, nouveau bureau à répondre à attention, exigence, et mettez-le dans la hauteur pour assurer bon fonctionnement chambre députée. Moi, pour mettre tout, pour moi, être disponible pour bureau et surtout pour nouveau président qui va le monter, pour me battre tout conseil, toute l'idée. Voilà, tu appelles sur l'intervention ancien président chambre député, député Charles Chancier. Beaucoup de nous parler avec un nouveau président chambre député, député Gary Baudot, qui fait connaître, il promet pour le travail, pour capable voir une plus bonne image sur le fonctionnement chambre basta. On peut vite suivre l'intervention nouveau président chambre député, député Gary Baudot. L'application de nos projets et programmes ne vise ni la gloire, ni les intérêts de partis politiques en particulier. Ce n'est ni le triomphalisme de tel ou tel politicien, ni la prépondérance de tel ou tel courant politique ici à la Chambre des députés. Cette présidence gagnant-gagnant que je prône est plutôt le partage des responsabilités entre les différents acteurs du Parlement haïtien visant à changer l'image de cette institution, d'assurer la consolidation des acquis démocratiques, d'aménager des espaces de dialogue avec les autres pouvoirs de l'État. Bref, de renforcer l'autorité de contrôle du Parlement vis-à-vis du gouvernement. Affaire pour un ministre à venir là, il pense que c'est en vacances, il vient, il se promener, la promenade, ça finit. Le pays est dans l'expectative, les immenses défis auxquels est confronté le peuple, la cherté de la vie, la dégradation de l'environnement politique, social, moral. Tous les maux qui nous assiègent doivent trouver une solution urgente à travers la stabilité de nos institutions et l'apaisement social. C'est pourquoi nous avons jugé urgent de prendre le taureau par les cornes, d'affronter ouvertement les problèmes. La présidence gagnant-gagnant que nous prenons encore une fois aujourd'hui est axée sur la culture du résultat et sur le respect scrupuleux de la Constitution et des règlements intérieurs de la Chambre des députés. Dans cette perspective, une question émerge. Quels sont les projets et programmes qui nous tiennent à cœur en tant que nouveau président de ce bureau et qui peuvent, à moyen et à long terme, produire des résultats durables sur le fonctionnement normal et régulier de la dite institution? Dans les semaines à venir, je demanderai à un groupe de travail composé d'experts en matière logistique, de culture parlementaire et de politologues de faire un diagnostic de la Chambre et de nous soumettre dans les meilleurs délais et dans la perspective des réformes à entreprendre, des recommandations appropriées pour suivi et mise en œuvre. L'amendement des règlements intérieurs et leur adaptation aux nouvelles réalités politiques et culturelles du pays constituent le premier pas à entreprendre avant tout travail d'expertise.
Donc, il est très important pour amender le règlement intérieur là. Et il y a un point, je vais demander aux collègues pour faciliter. Après deux mandats dans le bureau, pas de mon troisième mandat. Merci. Nous devons combler le déficit d'image auquel la Chambre des députés fait face durant ces deux dernières années. C'est un défi majeur auquel nous devons répondre. Aussi, dans un souci de transparence et de reddition de comptes, proposons-nous de rendre disponibles les procès-verbaux des séances et les comptes rendus des travaux des commissions. Par la même occasion, nous allons rétablir le fonctionnement du site web du Parlement et le rendre accessible au grand public. En plus d'offrir aux journalistes, aux étudiants et aux chercheurs, d'ici et d'ailleurs, un moyen rapide et efficace pour s'informer sur les réalités de la Chambre des députés, ce site servira aussi à publier les noms des députés présents à chaque séance. Nous parlons connaître au niveau de pouvoir judiciaire là dans cadre d'une cérémonie conseil supérieur pouvoir judiciaire remettre ensemble proposition li te fait sous amendement constitution 1987 là by membre commission spéciale qui travaille sur question amendement constitution au niveau chambre député vice président CSPJ maître Wendell Cocatello dénoncer faiblesse lidi qui gagnait dans constitution 1987 là pendant li souhaiter commission prend en compte ensemble proposition yo sur question amendement mama loi pays d'Haïti. Maître Wendell Cocatello te nan micro Saint Croix Paki ak Michel Joseph. Nous gagnons privilège ça pour que yo te fait nous assez de confiance savoir commission k'ap travaille sous parlement pour te mande nous pour nous te travail. Nous te travail et nous vini avec fuit travail nous côté que nous fait proposition pour nous bail actuellement là en présence de tout le monde, là nous dit en présence de tout le monde, en présence de commission et en présence de journalistes qu'a bral fait toute société a connaît que CSPJ dit fait travail pas là. Nous estimons que nous fait œuvre qui vaille. Oui, nous dit nous fait œuvre qui vaille puisque dans bon côté pas nous, tout ça qui constitue faiblesse dans la constitution, dans le niveau pouvoir judiciaire là, nous dénonçons et nous faisons proposition. Et en tant que citoyens, nous allons plus loin puisque il y a des bails qui sont dans la constitution que nous pas d'accord avec du tout et nous faisons des propositions pour nous. Nous estimons que nous travaillons et nous souhaitons que la commission li prend en considération tout ça que nous faisons pour que la société soit capable de sentir que un soulagement qui fait par rapport à toute critique qui a porté dans la Constitution 27 là que l'a amendé ou pas. J'ai annoncé les différents titres députés commission et spéciale qui travaillent sur l'amendement constitution, député Jerry Tardieu. Remercier le Conseil supérieur pouvoir judiciaire pour le travail réalisé sur l'amendement constitution. De l'autre côté, député Pétionville a dit qu'il a ramassé propositions, plusieurs secteurs produits dans ce sens. Une façon pour être capable de gagner une autre constitution qui répond à la réalité du pays. Député Jerry Tardieu a annoncé le 29 mars 2018 que la commission a bien pour présenter rapport final sur ensemble propositions dans le pays. On va vite suivre. C'est avec un pile plaisir et un pile satisfaction que moi recevoir au nom de commission spéciale sur amendement constitution 1, document conseil supérieur pouvoir judiciaire qui fixe ses positions pouvoir judiciaire sous question amendement constitution 1. Ça fait de cela plusieurs mois, nous avons fait un premier atelier de travail et nous remercier conseil supérieur pouvoir judiciaire que le fait suivi. Il était monté une équipe technique, il était monté un comité technique qui te travaille sous document ça que nous recevons aujourd'hui. Ma bonne assurance, madame la vice-présidente, ma baille tout conseil là, assurance que commission apprend proposition ça très au sérieux. Nous avons double mission, madame la vice-présidente. Nous avons mission pour mener un dialogue national pour que proposition amendement yo marié avec ça. Pays, institutions, secteurs, comprennent de maman loi pays. Et l'autre aspect là-dedans,
ce travail que nous allons faire pour nous ramasser toute proposition ça yo, et puis pour nous offrir société à un ensemble cohérent pour que nous gagnions un moment loi pays qui marié avec n'ta capable dire réalité pays à, et qui marié à défi captain nous dans le futur. Le 29 mars 2018, Constitution pral gagner 31 ans. Cette date symbolique, ça, Madame la Vice-Présidente, que nous-mêmes, dans la Commission, nous choisissons pour nous présenter le pays, ça nous relève un rapport d'étape. Rapport d'étape là, qui s'allie, n'a informé la nation de tout secteur que nous rencontrons et de qui ça y dit nous, qui ça y partage avec nous, qui recommandations que nous fait nous. Et à partir du rapport d'étape ça, commission avec expert Lio, dont l'expert senior qui est ici présent, le docteur Louis Nopierre, l'historien et constitutionnaliste Claude Moïse, qui est la référence avec laquelle nous travaillons sur le sujet, n'a pas pu être présent malheureusement, il est en voyage au Canada. Et mais avec ensemble d'experts ça, de consultants ça, de conseillers ça, nous pourrons travailler pour nous formuler des propositions d'amendement. Et nous te disons dans grand titre tout directeur général de la Radio-Télévision Nationale d'Haïti, Jules Gamal Augustin, qui te gagne avec le directeur général du ministère communication en visite hier jeudi 11 janvier 2018 là, local la Radio Nationale qui trouvait dans le magasin de l'État pour capable constater état avancement travail réparation bâtiment cela. Responsable quoi local RTNH là qui est écrasé dans tremblement de terre 12 janvier 2010 là apparaît d'ici été 2018 là pour permettre Radio A continuer by service dans ri magasin l'État. En nous suivions reportage avec Anne Marguerite Auguste et puis Evans Joseph. Local Radio National là c'est une dans parmi institution qui te prend gros frappe dans tremblement de terre 12 janvier 2010 là. Depuis après événement ça, radio a pas continué fonctionner dans le local habituel li dans rue magasin de l'État. Pour faciliter Radio Nationale tourner dans place li, depuis l'année passée, dirigeant yo lancé travail réparation local institution. C'est dans ce sens ça, directeur général Radio Télévision Nationale d'Haïti, Jules Gamal Augustin visité espace là pour constater comment travail yo avancé. Jules Gamal Augustin fait connaître le nécessaire pour radio à retourner dans place li puisque l'important pour institution yo continuer fonctionner dans propre local li ça qui considéré comme un signal pour aider zone nan reprendre ville ité gagnen avant tremblement de terre 12 janvier 2010 là en construction cap marché très bien et son message dit tout parce que nous tout immeuble état yo commencé à remonter en bas la ville là et nous ministère a monté BRH refait là et me pensais que c'est l'heure après 12 janvier de commencer l'heure pour nous capable faire Port-au-Prince revivre encore pour nous capable faire en bas la ville là revivre encore Jean-Le Comte ville là et d'ailleurs son immeuble qui était fait pour Radio Nationale son immeuble qui préparé pour ça là où on est maintenant il pas fait pour ça c'est un cahier privé et c'est un plaisir pour nous venir garder lui et pour nous qui l'heure qui n'a paré pour nous capable rentrer avec on profiter dire merci à ancien directeur Marc Xavier qui a commencé le travail là ça montre continuité d'état nous même n'a continué travail mais ingénieur avec moi ingénieur a été pour mettre au moins du moment que toute bagaille bien faite parce que l'état tout gain décaissement que le fait nous remercier l'état haïtien parce que c'est comme l'état haïtien c'est comme taxpayer c'est comme monde qui a payé taxe qui a travaillé là so et moi pense que ingénieur a dit du moment que toute bagaille fait normal dans 3 ou 4 mois encore nous t'a supposé gain immeuble là mais gain immeuble là c'est un meublé son l'autre parce que on parle de la radio nationale il nous faut des équipements techniques fait gain émetteur fait gain mixeur fait gain équipe l'autre bagaille que nous va mettre dans le local là so nous pas battre nous mentir nous capable dire peut-être été 2018 on aura peut-être la radio nationale retourner dans le local côté le travail réparation yo avancé à environ 65 à 70% d'après ingénieur qui responsable chantier a Calix Jean Eveniel li coin dans mi-temps année 2018 là compagnie a en mesure pour remettre travail yo qu'on y a nous en processus et pour nous atteindre objectif qui nous te gagnant et bien que nous capable prendre 2 ou 3 mois en plus concernant que ça nous te prévoir dans colonne de rentrement tout ça qui nous te gagnant en évidence y arriver réaliser et on connaît que dans un projet gain ça les décaissements qui pour fait les décaissements fait à temps et bien projet a fait à temps les décaissements lui-même li fait en retard certainement qu'a gain des retards qui permettent que nous pas atteindre objectif à date que nous te prévoir contrat qui signé accompagne rapide construction SA
Rakousa gen responsabilité tout pour prendre en compte espace pour parking ak pour embellir la koua Jean l'était déjà yé depuis création Radio Roi. Responsable relations publiques ak ressources humaines compagnie Rachel Jean expliqué pas gen trop modification k'ap fait sous plan radio yo té soumet li nan cadre travail ça. Merci avec collaboratrice nous Anne Marguerite Auguste qui t'a présenté nous compte rendu ici là l'autre information dans le journal là. Entente nationale pour stabilité et progrès c'est un nouveau instructif qui regroupe organisations et partis politiques qui présenté by public là jeudi 11 janvier 2018 là. Président entente nationale Agentel Joseph Koué c'est bon jeune dialogue qui capable résoudre une série de problèmes pays a fait face. N'a pas vite suivre. Ce n'est pas une plateforme électorale. C'est un ensemble d'entités politiques, organisations de base, leaders qui estiment que la politique n'a pas qu'à continuer à faire. Jean l'étape fait et depuis bon nombre de temps dans le pays, nous estimons que la politique l'a fait en l'autre façon. Eh bien, nous mettons tête nous ensemble pour nous donner une formule pour nous adresser le problème nation. Nous avons environ 24 partis, organisations politiques et plateformes politiques qui constituent entente. Et plus de 80 organisations de base. C'est ça qui entente nationale là. Je dis hein, nous venons pour nous dire population que nous comprenons problème pays hein, c'est pas dans boule caoutchouc, c'est pas dans tirer coup de roche, c'est pas dans détruit monde que nous capable poser, mais si nous besoin poser problème là pour nous donner une solution avec elle, c'est chita pour chita autour d'une table. Il faut gagner une entente. C'est dans ce sens ça. Nous avons lancé un appel solennel à toute parti politique, généralement quelconque, qui croit dans la stabilité, qui croit dans le progrès, qui croit dans la paix, qui bataille pour une justice sociale, pour rejoindre nous dans le gros combat national que nous lançons pour nous adresser les problèmes paysans et joindre une solution à ce problème. Pas qu'à une solution au problème si nous ne pas poser problème. Et seule façon pour nous poser problème yo s'entendre pour entendre. Et Jean nous te dit dans grand titre tout jeudi 12 janvier a décrété journée nationale réflexion et sensibilisation sur fragilité pays d'Haïti par rapport à question risque et puis désastre. Dans l'occasion, ça, différentes institutions publiques, co-privées, dans tout le pays, doivent gagner un programme de sensibilisation avec formation et puis formation pour être capable d'organiser, surtout dans l'école, dans l'université, une façon pour être capable de former la population sur le plus bon comportement, les doivent gagner avant, pendant et après catastrophe naturelle. Dans ce sens, toute discothèque a gagné pour être capable de fermer et radio, télévision, il a gagné pour être capable de faire un programme qui en rapport avec ces circonstances-là. Dans le même sens, tout drapeau pays a monté à demi-mât et jeudi en la matin, le président de la République, Jovenel Moïse, a gagné pour être capable de poser premier roche reconstruction palais national et a de gagner une cérémonie tourne au niveau de mémorial Saint-Christophe dans Titanien. Nous
pratiquement arrivé le moment pour nous aller dans l'actualité internationale. La première fois qu'on est, je viens d'annoncer dans différents titres au président américain. Il y a une autre fois encore indexé différents pays, notamment pays d'Haïti avec pays africains. Côté que tu as dit un propos qui assez soulevé en pile attention, surtout dans les États-Unis avec différents pays. On a invité à suivre plus de précisions dans le reportage avec Euronews. Donald Trump avait réussi à surveiller son langage ces derniers temps, mais là, il a fait une rechute. Le président américain a traité Haïti et les pays africains de shitholes, trous à merde en français, et ce, dans le bureau ovale, en pleine réunion sur un projet de loi sur l'immigration. Trump a aussi dit qu'il serait mieux d'avoir plus de gens de Norvège. Des commentaires odieux et racistes, indignes de la Maison Blanche et contraires aux valeurs américaines, ont réagi plusieurs démocrates et républicains. Public. Shame on you. Donald Trump. Shame on you. Donald Trump. Shame on you. Et c'est là nous sommes arrivés dans fin journal là. Rapidement, nous parlons rappeler grand point qui a dominé l'actualité, Ricardine. Bien sûr, et du moins, j'ai qu'un dit dans le début et dans le début du journal là, il faut connaître que le président de la commission spéciale qui travaille sur l'amendement constitution, député directeur Dieu qui remercie, qui lui-même a annoncé 29 mars 2018 qu'il vient la commission a bien pour présenter le rapport final sur ensemble proposition dans la loi pays. Et hier jeudi 11 janvier 2018, là, le directeur général de l'institution de télévision nationale d'Haïti, RTNH, Jules Gamal-Augustin, qui était avec lui, directeur général du ministère de la communication, qui était à la visite, évaluation dans le cadre de travail de reconstruction qui a fait dans le local Radio Nationale d'Haïti qui trouvait dans la rue Magasin de l'État. Journée 12 janvier, décrété journée réflexion et sensibilisation sur la fragilité du pays d'Haïti par rapport à la crise et le désastre. Tout drapeau dans le pays a monté demi-mar et le président de la République, Jovenel Moïse, a gagné jeudi pour être capable de déposer le premier roche pour la reconstruction du palais national. Et puis à l'étranger, le président américain Donald Trump a prononcé vieille parole et puis raciste contre le pays d'Haïti et le pays africain. Vieille parole ça a provoqué une grosse réaction du côté Congrès américain et puis communauté internationale. Voilà, nous sommes contents ensemble, Ruben, pour nous être capables de porter toute information aujourd'hui. Nous avons cassé rendez-vous pour lundi matin. D'ici là, nous souhaitons passer un excellent week-end. Bon week-end à vous-même, Tori Kadine. Bon week-end à vous-même qui t'avez regardé nous. Rendez-vous certainement, c'est lundi matin que l'hier. Bien sûr, Ruben. Et quant à vous-même, téléspectateurs et téléspectatrices, chaîne YouTube, nous avons cassé rendez-vous pour lundi matin. D'ici là, nous souhaitons passer une excellente journée de vendredi, mais surtout un très bon week-end sur la route.